à tous et bienvenue sur ce tuto guitare. Alors, j'ai longtemps hésité à faire la nouvelle musique de Squeezie pour un délire. Peut-être que je la ferai. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire, bien entendu. Et puis, voilà, il y a mon père qui est passé à la maison et puis il m'a dit « Mais pourquoi tu ferais pas Adèle et tout ça ?» Donc, j'ai écouté Adèle. En fin de compte, je connaissais cette musique qui, ben, forcément, passe sur toutes les radios et tout ça. Et ben, je me suis dit que ça pourrait peut-être aussi plaire, voilà. Donc, voilà, on est parti pour ce tuto guitare. Comme d'habitude, on va faire les accords, on va faire une rythmique approximative que j'ai trouvée, comme d'habitude. Tout ça dans la détente, la chaleur, voilà, parce qu'ici on est comme à la maison. Vous aurez les diagrammes, etc., etc. Je vous dis à de suite. Ciao, ciao. Donc on est parti. Donc pour les accords de cette chanson, voilà. Alors avant de faire les accords, bien sûr, on va passer avec un petit capodastre. On va venir en cinquième case pour être dans la tonalité du morceau. Et mon portable qui sonne. Excellent. Donc on va commencer ce premier accord par un do. Ok. Il y aura des variantes après, bien sûr. Donc ça c'est un do. Donc on va dire que ça va être plus le couplet et l'intro. Donc Do. Une fois qu'on aura fait un Do, nous allons faire un La mineur. Ok, pareil, il y aura des variantes, mais je vous expliquerai dans la rythmique. Ensuite, nous allons faire un Mi mineur. Et après, nous allons faire un Fa. Ok. Donc ça sera pour le couplet du morceau. Maintenant, on va voir un petit peu la rythmique qui va arriver. Donc on est parti sur la rythmique. Sur la rythmique, je vais vous donner un exemple. On va faire d'abord les accords, après on va faire avec les variations. Donc pour la rythmique, ça va donner ça. Attendez. Donc on va partir sur la rythmique. Sur la rythmique, c'est pas compliqué, vous allez voir. Je vous donne un exemple. L'exemple, c'est ça. Alors, oublions les variations, d'accord? Tout ce qui est... Ok, on oublie ces variations-là. On va partir d'abord sur la base. On va rester plaqué nos accords principaux. C'est-à-dire, on va partir sur le Do, ok? Donc, on fait... Ba, O, Ba, O, O, Ba. Ok? Ba, O, Ba, O, O, Ba. Entraînez-vous à faire ça. Ba, O, Ba, O, O, Ba. Ba, O, Ba, O, O, Ba. Ok? Donc ça, on va le faire sur le Do. On va le faire sur le La mineur. À partir de là, il y a juste cet accord où il va pas falloir faire ça. Il va falloir faire, je l'ai noté, Ba, O, Ba, O, Ba, O. Ok ? Ba, O, Ba, O, Ba, O. Et là, on change d'accord. On va sur le Fa. Et on revient sur le Ba, O, Ba, O, O, Ba. D'accord ? Donc ça, c'est principalement, voilà, c'est avec les accords sans faire de variation. Maintenant, nous allons faire ces petites variations qui, mine de rien, changent tout. Donc ces petites variations, qu'est-ce que ça va être ? Ben, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Je vais vous expliquer parce que je n'ai pas de caméra, je peux pas montrer bien ma guitare en face. Et puis je trouve que c'est plus chaleureux comme ça, mine de rien. Voilà, donc je vais vous expliquer, donc écoutez bien en même temps. Donc on va faire la petite variation qui va suivre sur le Do, ça va être le petit doigt, d'accord? Qui va venir, donc la guitare 6, 5, 4, 3, 2, 1 en partant du haut, ok? Le petit doigt va venir sur la deuxième, ok? D'accord. Enfin, dans la rythmique, après je vais vous expliquer. Après, on va enlever carrément l'index et l'annulaire, donc ce qui va donner un accord comme ça. Okay. Et après, on va le remettre. Juste l'index. Donc au total, ça va faire... On fait Ba. En fait, ça va être chaque à-coup. Comment vous expliquer ça? C'est-à-dire, on va faire Ba, donc Do normal. En remontant haut, on va mettre le petit doigt là où je vous ai dit.
Après, on va faire bas en enlevant tout. Et après, une fois qu'on a tout enlevé, on va remettre l'index et on va faire haut, haut, bas. D'accord ? Je répète au ralenti. Le do normal sans le petit doigt, comme ça. Bas. On met le petit doigt. Haut. Bas. Sans l'index. Et après, le reste avec l'index haut, haut, bas. D'accord ? C'est pas compliqué. Ce qui donne un peu plus vite. Aussi simple, je dis simple, mais ça dépend de là où on est situé au niveau de la guitare. Mais franchement, on s'entraîne un petit peu et ça marche. Donc on fait ça sur le premier accord. On va faire exactement la même chose sur le deuxième accord. C'est-à-dire qu'en fait, il y a juste, donc on est en Do. Là, on va passer en La mineur. Il y a juste les deux doigts qui bougent pour passer en La mineur. Hein, l'index reste au même endroit. Et par contre, le petit doigt et l'index, ils font exactement la même chose que le Do. Au ralenti, c'est toujours plus difficile que quand on va plus vite. Hein. Ok ? Cette, l'autre variation sur l'autre accord, c'est là que ça va être... c'est pas si compliqué que ça. Hein. Vous allez voir. En fait, c'est-à-dire que l'index, il ne va pas bouger. Ça va être juste les deux doigts qui vont bouger. En fait, c'est comme si on faisait un mi mineur avec le majeur et l'annulaire. Sauf que l'index, là, il va pas bouger. Il reste, c'est comme s'il restait en La mineur. Il reste en stand-by. Et là, on va faire bas, ok ? Là, on l'enlève. Bas. En fait, à chaque fois, on l'enlève une fois sur deux. Bas, 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 bas. Et à partir de là, bas, 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 bas. On vient sur l'accord de fa. Bas, c'était quoi déjà ? C'était bas, bas, bas. Voilà. Ça, on va le répéter au total. Dans la totalité, on va le répéter deux fois. Et la deuxième fois, il va falloir rester deux temps sur le fa. Et après, elle va partir sur le refrain que nous allons voir maintenant. Enfin, j'appelle ça un refrain, mais ça se trouve, c'est pas du tout un refrain, c'est un chorus. Ou enfin, je m'y connais pas trop dans ce domaine-là. Bon, je vous apprends le principal, c'est l'essentiel. Voilà, allez, on part sur ce que j'appelle le refrain. Donc, pour le refrain, hein, on va pas faire compliqué. On va partir comme d'habitude sur un Do. Ok. Sauf que là, nous allons partir sur un Sol. Ok. On va après enchaîner avec un Ré mineur. Et après, nous allons enchaîner avec notre fameux Fa. Ok. La rythmique que je peux vous conseiller, c'est celle que j'ai trouvée, hein, parce que la rythmique dans toutes mes vidéos, ce n'est pas officiel. C'est ce que j'entends bien, moi, quand je m'accompagne avec le morceau de la musique. Donc, on va rester sur bas, haut, bas, haut, haut, bas. Donc, en exemple, qu'est-ce que ça donne ? En exemple, ça donne... On va faire ça deux fois et après on va partir sur une fois le comme si on faisait le couplet et après on fait le couplet. Voilà, en fait c'est les mêmes accords. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour savoir si vous avez apprécié ou non. Hein. Vous avez le droit aussi de ne pas apprécier, de laisser des commentaires. Mettez un pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma page. On est de plus en plus et ça me fait super plaisir que ma chaîne marche, que ça vous fasse plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Bref, on se fait plaisir, c'est l'essentiel. Vous pouvez écouter bien sûr mes albums que j'ai laissés en dessous de la description normalement. Si j'ai pas été trop flemmard. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de joyeux Noël. On va faire de joyeuses fêtes. De joyeux Noël. De joyeuses fêtes. On va se faire un petit délire. On va se faire un petit délire Noël. Peut-être je ferai un sondage très prochainement. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.